Bonjour à tous, on est ravis de vous retrouver dans votre émission Ensemble c'est mieux. Allez, on va commencer par vous mettre en appétit en parlant de cuisine. Agathe, on parlera de quoi ? Bonjour, on va avoir pas mal de bonnes choses à manger, des légumes de saison. Parfait, on a hâte de vous entendre et de déguster quand même. Bah, il ne faut pas oublier non plus. Sébastien, vous serez avec nous également pour nous parler d'emploi. Oui, tout à fait. Alors aujourd'hui, comme le thème, c'est la lombalgie. Qui dit lombalgie peut dire stress. Et stress dans la recherche d'emploi, c'est deux mots qui sont souvent associés. Donc je vous propose à travers sept citations et sept conseils, justement, comment déstresser sur sa recherche d'emploi. Voilà. Alors les problèmes de dos, vous l'avez dit, hein, on les évoquera ce matin. Et un conseil essentiel, sans doute, il faut bouger pour guérir. Nous ferons le point avec un médecin. Nous vous présenterons également Charlouk, le site des objets trouvés. Et puis nous nous intéresserons aussi, bien sûr, à la nature avec Bretagne Vivante. Et plus particulièrement aux oiseaux d'eau qu'il faut protéger et qu'il faut surtout ne pas déranger en cette période hivernale. Enfin, Billy nous présentera une association. Elle s'appelle Il y a de la vie. Vous verrez ça. Il y a de la vie, d'ailleurs, ça nous va bien. Écoutez, voilà. Voilà, en introduction de cette émission, il y aura plein de vie sur ce plateau. On parlera du dos. Qui a eu des problèmes de dos déjà, ici? Attention. Je touche du bois pour l'instant. Alors, on est pas mal, parce que normalement, c'est 80% de la population française qui, un jour ou l'autre, aura mal au dos. On va faire un petit point tout de suite en images avant de retrouver le docteur. Tu peux aller chercher du pain, s'il te plaît? Oh non, j'ai mal au dos. Faut pas que je bouge. Le mal de dos, rien de plus banal. 4 personnes sur 5 souffriront de lombalgie au cours de leur vie. Et plus de la moitié de la population française a eu au moins un épisode de mal de dos dans les 12 derniers mois. Problème, malgré les campagnes de sensibilisation, 13% des Français sont encore convaincus qu'en cas de lombalgie, il faut se mettre au repos. Tout faux, c'est le contraire. Mal de dos, le traitement, c'est le mouvement. La crainte de la douleur et la peur de bouger retardent la guérison. Certes, il n'est pas facile de faire de l'exercice physique quand on a mal au dos. Il faut donc conserver une activité supportable en termes de douleur et augmenter graduellement ses efforts. L'important est d'être régulier et de persévérer. 90% des lombalgies aiguës guérissent spontanément en moins d'un mois et sans séquelles. Sachez que la douleur n'est pas proportionnelle à la gravité et que votre dos est costaud. Pour éviter la rechute, il est important de pratiquer une activité physique, car cela développe les muscles, renforce les os et retarde le vieillissement de la colonne. Arrêter de bouger, c'est se rouiller. Alors, on va chercher le pain ? Et plus que le pain même. Hein. On va aller plus loin sur cette thématique avec le docteur Bruno Deramoux. Bonjour, bienvenue. Bonjour. Vous avez exercé pendant 40 ans au CHU de Rennes. Vous êtes un très très jeune retraité, voilà. Depuis 15 jours, c'est ça? Tout à fait, depuis le 1er janvier. Bon, alors vous avez mis en place au CHU, il y a 30 ans, une école du dos. Autant dire que les problèmes de dos, c'était vraiment votre quotidien. Pour vous, le plus important, c'est quoi? C'est l'éducation, c'est la prévention, justement, dans cette histoire de problèmes de dos? Oui, tout à fait. Ce qui est important, c'est d'apprendre à bien bouger, c'est-à-dire une gestuelle adaptée, correcte. Que l'on peut acquérir, hein. Ça s'apprend, vous dites. Et c'est quelque chose qui s'apprend tout à fait et qui doit s'automatiser. C'est-à-dire qu'une fois qu'on a appris le geste, il faut l'automatiser, oui. et de telle sorte qu'on n'a pas à y réfléchir. Oui. C'est comme le vélo, quoi. Ça ne s'oublie pas. Tout une fois fait, qu'on l'a appris, c'est bon, c'est pour la vie. Alors, est-ce que vous pouvez nous donner des petits exemples très concrets dans nos gestes du quotidien qui vont justement pouvoir nous aider à ne pas avoir de lombalgie? Je ne sais pas, par exemple, en termes de... Quand on se lève, par exemple, est-ce qu'il y a les bons gestes à adopter? Oui, quand on se lève, il faut éviter les mouvements de torsion. C'est-à-dire, si on se retourne dans son lit, il faut se tourner d'un bloc avec les épaules et le bassin qui tournent ensemble. Ensuite, quand on se redresse, il faut prendre appui sur un bras et pivoter aussi d'un bloc. Mmh. Vous avez une petite technique, c'est que vous demandez à vos patients quelles sont les articulations qu'ils sollicitent. Parce que vous vous rendez compte, souvent, ils ne savent pas, en fait. Oui, tout à fait. Déjà, ce qu'il faut comprendre, ce sont les articulations au niveau de la colonne. Et il faut expliquer qu'il n'y a pas... D'abord, que les 10 sont des articulations, ce que tout le monde ne sait pas forcément, et que ce ne sont pas les seules articulations au niveau de la colonne. Et que, par ailleurs, quand on se penche en avant, on sollicite également les hanches. Mmh. Donc, globalement, on sollicite trop le dos et pas assez les hanches. Quoi. Tout à fait. C'est-à-dire qu'il faut apprendre à se pencher en avant en sachant que l'on sollicite soit les hanches, soit le dos, soit les deux.
et avoir conscience de ces différences. Alors, avant, ça s'apprenait à l'école, hein, ces gestes logiques. Ça faisait partie du programme de l'éducation nationale, ce qui n'est plus le cas aujourd'hui. Oui, il y avait des tas de choses qu'on apprenait à l'éducation nationale et en particulier, tout à fait, comment porter une charge, par exemple. Et non, ce n'est plus le cas aujourd'hui. Alors, heureusement, il y a des programmes comme ceux que vous avez développés, par exemple, dans le cadre de l'école du dos. Qui peut y avoir accès? Combien de temps ça dure? Dites-nous. Y ont accès toute personne ayant souffert du dos et ayant envie de ne plus souffrir du dos. Pour y avoir accès, il faut prendre un rendez-vous de consultation, soit dans le service de rééducation, donc maintenant ça s'appelle médecine physique et de réadaptation MPR, soit dans le service de rhumatologie. D'accord. On ne peut pas venir avec l'ordonnance d'un médecin généraliste, ça c'est pas possible. Pour l'instant. L'ordonnance du médecin généraliste est toujours nécessaire, mais il faut une consultation. Pas suffisant pour ça, d'accord. C'est un programme qui dure 3 jours. Tout à fait. Qui fait-on ? Justement, il y a une petite partie théorique, une grosse partie pratique, et on apprend à bouger correctement, donc à mobiliser son bassin, à porter des charges, à adopter des bonnes positions dans des situations très courantes de la vie quotidienne, et par ailleurs, comment s'entretenir sur le plan physique, au niveau sport, activité physique. Ouais. Alors ça, c'est valable pour tout le monde, j'ai envie de dire, hein, qu'on ait eu des problèmes de dos ou pas, en fait, il faut un entretien physique régulier. De quelle façon on peut avoir une préparation physique? Est-ce qu'il y a des sports qui sont plus conseillés que d'autres? Est-ce qu'il faut des sports d'endurance? Expliquez-nous un petit peu. Alors, pour le dos, il n'y a pas franchement de sport contre-indiqué. D'accord. C'est-à-dire on peut faire le sport que l'on a envie de faire. Ce qui est important, c'est que quand on veut conseiller quelqu'un concernant le sport, si on commence à lui dire que c'est tel sport qui est idéal et qu'on le limite dans ses choix, on a peu de probabilité qu'il s'y mette réellement. C'est-à-dire qu'en fait, il faut partir de ce que la personne a envie de faire et puis lui expliquer comment le faire bien. Parce que pareil, quand on fait un sport, on peut avoir des mauvaises positions lorsqu'on pratique un sport et là, on peut se faire mal. Mais il n'y a pas, a priori, de sport contre-indiqué. Bon, alors je vous propose d'écouter la question d'une téléspectatrice. Elle s'appelle Pauline et vous allez voir, elle a eu un gros souci de santé. Elle va vous poser une question très concrète. Bonjour, j'ai une hernie discale et ce qui m'a permis de me soulager dans un premier temps, ça a été la kinésithérapie, plus en parallèle du sport doux comme la marche, la natation et le vélo. Et mes symptômes se sont améliorés et plus ça s'améliorait et plus je forçais dessus. Et le problème, c'est que ça s'est aggravé et donc j'ai été opérée. Et donc ma question, c'est... peut-on pratiquer une activité physique avec une hernie discale? Alors, le mot hernie discale fait peur, hein, on le sait tous, parce que bon, voilà, on a peut-être aussi là aussi des clichés. Vous répondez quoi, Pauline? Ce qu'il faut déjà bien comprendre, c'est que l'hernie discale, c'est donc une lésion du disque, et que elle peut entraîner une complication qui est la compression d'une racine nerveuse, que l'on appelle soit une sciatique, soit une cruralgie en fonction de la racine comprimée. Et que lorsque l'on a une sciatique ou que l'on a une cruralgie, on a, en plus du mal de dos, un autre problème. Alors, il faut quand même savoir que la sciatique, ça guérit tout seul dans 90% des cas, que ça nécessite une intervention chirurgicale uniquement dans 10% des cas. Et il est vrai que ça guérit spontanément dans un délai généralement inférieur à 2 mois. Et qu'une fois que la sciatique n'existe plus, on peut reprendre le sport, mais que lorsque la sciatique est vraiment présente, il faut un peu mettre la pédale douce. Donc elle peut bouger, mais en se faisant accompagner avec des gestes adaptés. Hein. Oui, et surtout pas forcer en pas flexion. Forcer. Voilà. Alors, bouger aussi, ce sera un peu le mot d'ordre, même pour les gens qui ont un métier très physique. Ça peut paraître paradoxal, mais c'est ce que vous semblez dire aussi. Oui, tout à fait, parce que ce qui est important, c'est d'entretenir une force et une endurance de l'ensemble de la musculature du tronc et des membres inférieurs, puisqu'on sollicite beaucoup les cuisses, puisqu'on va moins solliciter le dos. Et que dans beaucoup de métiers physiques, la réalisation du métier lui-même ne permet pas d'obtenir les aptitudes physiques à exercer le métier.
Par exemple, quand on voit tout le personnel qui travaille dans des EHPAD avec de la manutention, ce ne sont pas les efforts de manutention des personnes, des résidents dans les EHPAD qui sont suffisants pour entretenir la musculature permettant de faire ces efforts. D'accord. Ce qui nécessite en parallèle de faire du sport pour acquérir ses aptitudes. Très bien. Donc il faut s'entretenir régulièrement, c'est essentiel, sinon ça risque de coincer après 50 ans. Voilà, tout à fait. Après, il faut savoir que le mal de dos est la première cause de perte d'emploi avant l'âge de 45 ans. Ah oui ? Vous le saviez, Sébastien ? Non, je n'avais pas ce chiffre-là. Mais Merci beaucoup, docteur De Ramou. J'en connais un qui n'a pas 50 ans, mais qui s'entretient régulièrement. Il est allé voir un coach sportif. Billy est allé rencontrer Hugo Mamba pour une petite préparation physique. Ça va être marrant. Bonjour tout le monde, bonjour Hugo, tu vas bien ? Bonjour Billy, ça va très bien. Alors, nous sommes venus ce matin parler avec toi d'un mot un peu barbare, la lombalgie. Alors, c'est quoi tout simplement la lombalgie ? Alors, la lombalgie, de façon courante, il s'agit des maux de dos, plutôt du bas du dos, donc qui est un mal qui touche énormément de Français, à peu près 80%. Ah oui. Pourquoi ? Parce que, en fait, la région lombaire, les vertèbres lombaires, supportent une grande partie du poids du corps. Ah, donc, d'accord. De ce fait, c'est une zone qui est un peu fragilisée et qui va nécessiter un équipement musculaire spécifique. D'accord, donc justement, on est venu te voir ce matin pour savoir comment soulager un peu ces douleurs. Qu'est-ce qu'il faut faire ? De la musculation ou plutôt de la détente ? Bon, on va parler de renforcement musculaire parce que ce matin, par exemple, je te montrerai des exercices faciles à faire, accessibles à tous. Donc, renforcement musculaire dans un premier temps pour que la zone soit plus solide et résiste mieux aux différentes contraintes que tu vas lui demander, toi qui es très actif. Et également, des assouplissements pour avoir plus de mobilité à ce niveau-là. Ok, des trucs faciles, hein, parce des trucs faciles. Moi, je suis pas un grand sportif comme toi. Donc déjà, je te recommande tout de suite la natation. C'est super top pour le très pour bon le conseil. Dos. Donc premièrement, on va s'allonger à plat ventre. Ok. Et ça commence bien. Superman, tu maîtrises ? Superman. Je m'allonge. Non, je connais. Alors attends. Okay. Ah oui, Superman. Et je vole. Comme ça marche. Donc dans un premier temps, Superman. Voilà, c'est parti. Tu décolles. Les bras et les jambes. Ça, c'est le plus dur. Hein. Ok. C'est le plus dur. Alors c'est là, trop ça difficile. Force bien derrière. Tu reposes les jambes et tu décolles que les bras à l'avant. D'accord. Voilà, là il y a un peu moins de contraintes. Donc dans tous les cas, on va éviter la cambrure. Donc tu vas éviter de raccourcir ici, plutôt d'accord. d'étirer, donc ah d'aller oui, okay. vers l'avant. Ça marche. Donc il faut que j'aille plus tirer devant pour m'étirer. Là quoi. C'est pas mal, ça me plaît bien. Regarde, baisse un peu la tête pour éviter une hyperextension au niveau des lombaires. Et là on lève, on fait Superman. Et là c'est la version la plus complexe. C'est pas trop compliqué à faire ça. Et ça bah faut voilà. le faire combien de temps ? Une trentaine de secondes, même une vingtaine par petite série, 20 secondes, pause, 20 secondes, pause. Ça marche. Et quand tu seras super balèze, tu voleras pendant une minute. Et donc ça va venir renforcer le dos et le devant aussi ? Bas du dos, là, le devant était en étirement. Les abdominaux étaient en étirement et à l'arrière, c'était plutôt en contraction. Ok, donc ça va. Premier D'accord. exercice, j'adapte. Un deuxième, position à quatre pattes. Ouais. On va simplement venir décoller une jambe à l'arrière. D'accord. Ça, c'est le plus simple. Toujours le regard vers le bas pour éviter de cambrer le dos. Ah oui, ça, il faut que je fasse gaffe parce qu'après, j'ai mal au cervical. Exactement. Et dans un deuxième temps, tu vas essayer de lever un bras. Donc là, il faut éviter de... Ah, par contre, si tu lèves facile, le même, hein. tu vas être embêté. Voilà, ici. Ah oui, il faut faire le plus. Et en essayant de ne pas trop faire vriller le bassin. Ah oui. Là, tu es bien aligné. Donc là, c'est important d'avoir une bonne, voilà. une bonne position. Quoi. Une bonne position. Ok, ça marche. Le café était un peu fort, visiblement, ce matin. Allez, on relâche. Ouais. Donc, voilà, deux premiers exercices. Et on fait de l'autre côté aussi ? Bien sûr. L'autre côté, voilà, pareil. Donc là, c'est le un dos peu bien Superman, à plat. Tu peux baisser un petit peu. Le but, c'est vraiment d'être bien à plat. Donc là, c'est le statique. Tu peux également le faire en dynamique. D'accord. Je lève et je pose. Je lève et je pose. Okay. La même chose de l'autre côté. Je lève et je pose. Et je pose. On va passer plutôt maintenant au niveau des lombaires. OK. Et du dos. Donc, on vient rapprocher les fesses des talons et on se laisse glisser, glisser, glisser. Ça, c'est la position du chat, tout on m'a dit. Tout doucement vers l'avant, exactement. Ouh. Voilà. Ça fait du bien. On est bien relâché. On regarde vers le bas. Et là, on tire, c'est on ça. On se laisse aller. On étire. On étire. On bourrine pas. On est relâché, on est facile, on est souple. Oh, bah, dis. Eh bah, écoute, super. Tu reviens. Ouais. Pas mal, hein. Un petit dernier, peut-être. Allez, un dernier. Pour continuer plutôt, quand même, également remonter vers les cervicales. Celui-là, qui va simplement consister à venir rapprocher le menton, de sa poitrine. D'accord. Mais en cherchant à aller vers le haut, à se grandir. Tu vois, tu viens pas t'écraser, tu cherches à te... À grandir derrière. Ah oui, grandir, okay. à étirer. Super. Toujours. Bon, bah écoutez, je crois qu'on a appris plein de petits conseils.
on vous laisse, nous on continue à s'étirer. Et puis bah, maintenant, à vous de vous mettre au boulot à la maison. Allez, à bientôt tout le monde. Merci Hugo. Super, merci. Merci à tous les deux. Bon, écoutez, on va essayer nous aussi de reproduire ces gestes à la maison. Sébastien, oui. Vous nous avez parlé d'emploi dans ce sommaire d'émission. Et ce stress qui impacte vraiment notre santé. Oui, parce que quand on est en recherche d'emploi, on peut forcément être en situation de stress. Une petite étude, 34% de personnes interrogées justement sur leur période de chômage ont constaté une dégradation de leur état de santé. Ouais. Voilà. Donc, c'est pas à prendre à la légère. Donc, je vous propose cette citation pour à la fois donner 7 conseils justement là-dessus. Une des premières citations, c'est « Il n'y a de vent favorable pour celui qui ne sait pas où il va ». C'est mec. Tout à fait. Et ça, c'est important, c'est-à-dire qu'il faut se poser en début de recherche d'emploi pour savoir où on va. Donc on se fixe un objectif. Exactement. Exactement. Ouais. Ça, c'est une source de stress. Souvent, tu as envie de faire quoi ? Je ne sais pas. Donc, il y a des bilans de compétences qui existent. Vous pouvez faire ce que j'appelle, moi, un 360 degrés avec votre entourage, c'est-à-dire interroger. Voilà, tu me verrais où tu me... Parce qu'il y a des reconversions. Il y a pas mal de personnes qui rêvent un jour de faire pâtissier. Aujourd'hui, avec le digital, tout est possible. J'ai envie de dire, il y a des possibilités énormes là-dessus. Deuxième inspiration littéraire ce matin. La peur n'a de fin que quand on l'assume. Alors, je m'explique. La peur, c'est quoi ? C'est que souvent, on a peur de ne pas assumer son statut. Quand on dit « je recherche un emploi », d'ailleurs, moi, j'appelle ça les jobbers. C'est beaucoup plus... Mais il faut profiter. C'est un moment. Alors, souvent, sur la situation, on se dit que ce n'est pas forcément super positif, mais c'est un changement de vie. On a une chance extraordinaire de pouvoir faire quelque chose de nouveau. D'accord ? Donc, le voir comme quelque chose de très positif. Exactement. Une occasion de changer. Et il faut l'assumer en soirée. Souvent, c'est en soirée. Tu fais quoi ? Je suis au chômage. Non, c'est je suis au chômage. Je suis en transition. Là, j'ai des opportunités qui sont colossales. Je peux faire soit ça, soit ça, soit ça. Tout est possible. Donc, allons-y. On va positiver là-dessus. J'ai des projets. Voilà. C'est tout ça. À fait. Hein ? Troisième inspiration. Vous n'avez pas besoin de voir tout l'escalier. Empruntez juste la première marche. Martin Luther King. Ouais. C'est-à-dire que souvent, dans sa recherche d'emploi, on a tendance à vouloir tout faire d'un coup. Le CV, se mettre sur LinkedIn, ouais. Commencer à cibler. Non, on va se projeter dans le temps sur les 6 prochains mois. On va se dire, le premier mois, je vais me laisser 15 jours pour faire mon fameux CV. 15 jours pour cibler les entreprises que je vais aller démarcher. Ouais. 15 jours. Et comme ça, on déstresse. On sait où on va. On s'est étalé sur le temps. Tels les sportifs de haut niveau qui font des compétitions, ils font un programme de préparation. Mais là, c'est exactement la même chose. Donc, on se fixe un petit planning. Hein, voilà. Exactement. Qui balise un peu le parcours, ça rassure. Quatrième citation. Une des clés du succès est la confiance en soi. Une des clés de la confiance en soi est la préparation. Arthur H. La préparation, ça veut dire qu'on s'entraîne. On s'entraîne, on parlait tout à l'heure en coulisses de pitch, c'est-à-dire de présentation. Vous croisez quelqu'un à la volée. Tu as envie de faire quoi ? Demain, j'ai envie de devenir pâtissier. On va pitcher et surtout sur son parcours professionnel, sur son CV. Souvent, en entretien, on est là, je suis passé par tel stade, telle entreprise, je suis passé de là. On répète. Plus on répétera, plus on sera sûr de soi et on aura confiance en soi. Et donc, on va inspirer les autres. Ouais. Cinquième citation, dites-nous tout. Alors, c'est plus qu'une citation, c'est un conseil, on le revoit partout, c'est « il faut réseauter ». C'est-à-dire qu'on a confiance en soi, on est capable de pitcher, on sait où on va, on a disséqué, on va rencontrer du monde et le mot d'ordre, c'est donner pour recevoir. Il ne faut pas hésiter à donner ses connaissances, à rendre service sur les réseaux, donc les after work, les tweets apéro, les LinkedIn real. C'est-à-dire qu'on y va, on rencontre du monde et à ce moment-là, des gens vont dire « tiens, je cherche tel, ah ben moi je connais quelqu'un », c'est donner pour recevoir. Vous allez voir qu'en donnant, on est sur de l'ouverture aujourd'hui. Dans le monde du travail. Ça, c'est la révolution du numérique. Ce n'est pas Fabrice Touba qui va dire le contraire. Hein. Oui, vous avez créé un site internet. Ouais. Donc, mais on n'a pas fait de tweet real. mais c'est pas mal. De plus en plus, sur les réseaux sociaux, on a envie de se rencontrer de manière physique. Oui. Donc, on passe du virtuel au réel. Ouais, c'est vrai. Ouais. Sixième conseil, ne fais pas attention à ce que l'on écrit sur toi. Contente-toi de le mesurer. C'est surtout mesurer, c'est-à-dire qu'il faut mesurer les retours. À un moment donné, j'ai passé des entretiens, j'ai démarché des entreprises. Combien j'ai envoyé de CV ? Combien j'ai eu de retours ? Qu'est-ce que ça a donné comme effet ? Positif ? Je suis arrivé combien en classement ? Je suis arrivé en finale, en demi-finale ? Pourquoi ? Il faut être capable de mesurer. Quand on envoie un article, combien de personnes l'ont lu ? Les nombres de commentaires qu'on a fait ? Ouais. Tout ça, on mesure, ça apporte de la confiance en soi et ça permet de déstresser. Ouais. Et puis, un petit conseil final. Exactement. Si vous avez confiance en vous-même, vous inspirerez confiance aux autres. Ça, c'est important parce que ça se sent.
Étant recruteur, côtoyant beaucoup de recruteurs, un candidat qu'on rencontre qui a confiance en lui, parce qu'il a répété, parce qu'il s'est projeté dans le sang, parce qu'il sait où il va, enfin tout ce que je vous ai dit à l'avance, va forcément attirer. Les gens attirent. Et donc, il faut garder à l'esprit que, même si on a du mal à se dire à l'instant T, qu'une recherche d'emploi est une opportunité phénoménale. C'est ce qu'on va retenir. Exactement. Merci Sébastien pour cette petite note d'espoir. Bah oui, c'est vrai, parce que tout est une question de perception, en fait. Exactement, exactement. En plus, moi, je suis pas en recherche d'emploi, mais je suis freelance et franchement, c'est que des conseils, je trouve, qui peuvent s'appliquer aussi aux gens qui sont à leur compte ou entrepreneurs. Ouais. Tout à fait. Exactement. Surtout en freelance, ça reprend exactement le fait de réseauter, donner pour recevoir, la confiance en toi, se projeter, tout ça. Ouais, tout le à fait. Pitch, ouais, exactement ça. Fabrice, ça. Tout bas, justement, tout ce qu'on vient de dire, Sébastien, forcément, ça vous parle. Oui. Vous êtes directeur associé de Sharelook.fr, le site des objets trouvés. Vous allez nous expliquer un petit peu. C'est une jolie histoire, une idée qui a germé. D'un doudou perdu, en clair. Voilà, c'est ça. Non, c'est ça. Alors, je suis d'accord, parce que là, dans votre intervention, vous avez positivé le fait, en fait qu'on soit en recherche ou en freelance, etc. Moi, je suis passé par là aussi. Ouais. Je suis d'ailleurs tout le temps freelance aussi à côté. Donc, oui, c'est exactement ce que vous avez dit. C'est des très bons conseils. Alors, pour revenir, oui, en gros, j'étais en vacances. Qu'est-ce qui s'est passé il y a 2-3 ans? Il y a 2-3 ans. J'étais en vacances. On n'avait pas encore pris les clés de l'appartement. Samedi matin, on s'est dit, bon, avec ma fille, je vais l'emmener au marché, faire un petit tour de marché. Elle avait son doudou, bien sûr, elle avait un an. Et puis, mais sauf qu'au retour du marché, il n'y avait plus de doudou. Ah là là, on n'avait pas encore pris je me suis dit, la semaine, ça va être galère, c'est pas des vacances, je vais pas dormir. Enfin, je pense que tous les parents et les grands-parents, parce que ça arrive des fois à des grands-parents, donc ils flippent. Il faut acheter un jumeau à doudou, c'est oui, très important. Mais tout le monde ne le fait pas, enfin moi je ne l'avais pas fait. Et voilà, et bon, pour faire plus court, et puis à partir de ce moment-là, je me suis posé la question. Ça n'arrive pas qu'à moi de perdre le doudou de ma fille, souvent mes clés, un portable. Et effectivement, en faisant mes recherches, non, ça n'arrive pas qu'à moi. Combien d'objets sont perdus chaque année? Il y a un chiffre impressionnant de 12 millions d'objets perdus chaque année en France. Alors attention, c'est une étude de l'Ipsos de 2017. Mais moi, quand je perds mes clés, il n'y a personne de l'Ipsos qui est derrière pour savoir. Ah bon, sans blague, c'est dingue ça. Donc on est persuadé que c'est beaucoup plus. Ouais, donc c'est sous-estimé encore. Voilà. Donc le marché potentiel est absolument énorme, phénoménal. Oui, c'est énorme. Et puis surtout, un deuxième chiffre qui confirme ceci, c'est que seulement 4% de ces objets sont retrouvés. Parce que pourquoi? Il n'y a pas vraiment. Avant Sherlock, il n'y avait pas vraiment de solution moderne, en tout cas. Par les objets trouvés classiques, mais on ne les trouve pas partout. Justement, on ne les trouve pas partout, il faut que ça soit des grandes villes. Ouais. On n'a pas forcément le temps d'y aller, déjà de ramener l'objet et puis nous-mêmes d'y aller. Mmh. L'objet, il n'est pas forcément arrivé quand nous, on y va. Enfin, il y a beaucoup de contraintes. Et puis, on n'a pas forcément le temps et les gens... Alors les gens, parfois, parce que la plupart, nous, on croit en la bienveillance des gens et ça le prouve par le nombre d'annonces qu'on a sur nos sites, c'est que quand on trouve, ils aimeraient bien rendre l'objet. Mais... pour ces raisons-là, pour ces freins-là, ils peuvent pas. Donc nous, avec Sharelook, on leur apporte une solution moderne. Donc Sharelook, c'est une plateforme. C'est une plateforme de mise en relation de personnes qui ont perdu un objet avec des personnes ou des entreprises qui l'ont retrouvé. D'accord. Parce qu'on va s'adresse à deux types de clientèle, c'est-à-dire les particuliers, 90% des personnes. Je pense que tous ici, on est tous concernés en réfléchissant à avoir déjà perdu un objet. Qu'on aurait bien aimé retrouver. L'objet le plus perdu, d'ailleurs, quel est-il ? Alors, de loin, ce sont les clés. Parce que ce sont des petits objets qu'on a tout le temps sur soi et c'est beaucoup plus facilement perdable qu'un coffre de toit de voiture, par exemple. Quelle tranche d'âge perd le plus d'objets ? Alors, en gros, nous, le type principal, ce sont les 18-36 ans, tout simplement. C'est simple, c'est parce que c'est eux qui bougent le plus, qui vont, qui sortent, qui sortent, etc. Et qui ont plus l'occasion de perdre les objets, qui aussi font peut-être moins attention à leurs affaires qu'on est un peu plus vieux. Bon, on est 90% à être concernés quand même. Voilà, de toute façon, faut ça nous arrive tous à un moment ou à un autre. Mais on s'adresse aux particuliers, mais aussi aux entreprises. Ouais. Parce que dans les 12 millions, c'est des gens qui vont faire leurs courses dans les centres commerciaux, qui perdent aussi beaucoup d'objets dans les centres commerciaux, dans les cinémas, dans les parcs d'attractions, dans les stades de foot, dans les festivals, dans les festivals de musique. Alors là, je vous explique pas. Et puis,
En fait, c'est... Vous étiez d'ailleurs présent cette année sur le site des Transmusicales de Rennes. Oui, on a fait le Roi Arthur, les Transmusicales de Rennes, puis on est en discussion avec d'autres festivals. C'est très bien passé. Mais souvent, justement, c'est un service. Nous, ce qu'on veut, c'est créer un nouveau service pour ces entreprises-là, un nouveau service client, parce que c'est pas quelque chose de traité en général. C'est un peu mis dans des cartons et puis... Ça embête tout le monde. Voilà, c'est plus une contrainte. Et nous, on veut vraiment en faire un service client. Et puis derrière, avec une plateforme pro, je ne vais pas rentrer dans les détails, mais qui leur permet d'améliorer leur process de traitement des objets trouvés. Et puis derrière ça, ce qui est important, c'est que c'est pareil pour les particuliers, c'est que quand on va rendre le doudou à une petite fille, le bonheur qu'elle a dans ses yeux, mais vous en avez encore plus. Et c'est pareil pour quand on va vous rendre votre portable ou votre bracelet ou quoi que ce soit. Il y a tout le temps une émotion positive qui se crée, du soulagement, du bonheur, merci, enfin voilà. Vous voulez dire que par exemple, en termes d'entreprise, ça va fidéliser la clientèle. Voilà, c'est si ça. Si on sait que c'est telle ou telle enseigne qui nous a retrouvé le portable. Typiquement, voilà. Ils ont pris soin d'offrir à leurs clients un service comme ceci, mais qui derrière génère du bonheur chez leurs clients. Et générer du bonheur chez les clients, c'est de la fidélisation et c'est formidable pour une entreprise. Mmh. Par exemple, le Centre Leclerc Saint-Grégoire, avec qui on travaille depuis le début, l'ont compris tout de suite. Et ça, c'est formidable. Mmh. Voilà. Vous avez aussi des projets avec... Oui. Avec d'autres. On est soutenu par la Rennes Métropole. On va intégrer le programme d'expérimentation pour les transports de in et out sur les nouvelles mobilités. Ouais. On est en contact avec d'autres des clubs sportifs, des parcs d'attractions, etc. Voilà, l'idée germe. Nous, on a besoin de communication. Mais pour les particuliers, c'est aussi plus il y aura de gens qui connaîtront Cherlouk, plus il y aura d'annonces mises dessus. Savoir où vous êtes implanté déjà ou... Alors, le particulier, c'est toute la France. C'est partout. J'ai un ado de 16 ans qui perd tout. Je sais où vous êtes implanté. Je suis sûr de l'envoyer et qu'il retrouve... Nous, on ne stocke pas les objets. On est juste un intermédiaire. Et qui permet à votre ado, s'il a perdu, il peut aller sur le site pour déposer une annonce d'objet perdu. Et directement aller voir si son objet n'a pas été déjà retrouvé. Ensuite, on se met en relation. Parce que là, il y a un marché quand même sur les ados 16-18. C'est une de vos cibles, évidemment. Ah oui. Il y a eu beaucoup d'objets retrouvés depuis la création de Cherlouk. Ouais, oui, on a à peu près, pour le moment, on a à peu près 3000 annonces de tout confondu, objets perdus, trouvés. Mais on a un assez fort taux d'objets trouvés dû à notre communication. C'est important parce qu'on va plus aller sur un endroit où il y a beaucoup d'objets trouvés, parce qu'on perd plus qu'on trouve. On est à peu près 40% en général. Hein. Et on a à peu près un taux pour l'instant autour de 10% de remise. Mais plus il y aura... Plus on fera connaître la plateforme, forcément. Voilà, plus... parce que là, actuellement, il y a beaucoup d'objets qui n'ont pas retrouvé leur propriétaire parce que les gens ne savent pas que leur objet est sur notre site. Eh bien, ça va bien. Une carte bancaire. Oui. Je vais aller... Allez, il faut que ça devienne un réflexe, en fait, c'est ça. C'est ce qu'on veut créer, c'est un réflexe Cherlouk, c'est un nouveau réflexe dans la société française. Ouais. Et comme maintenant, on va chez Le Bon Coin ou Airbnb, et en plus, on fait des heureux. Donc, on a besoin du bonheur. Magnifique, en ce merci Fabrice. Merci beaucoup. La nature, c'est aussi un endroit, évidemment, où l'on perd des objets, mais on ne va pas parler d'objets perdus, on va parler des oiseaux d'eau. Avec vous, David Emery, bonjour. Bonjour. Vous êtes bénévole à l'association Bretagne Vivante. On va évoquer avec vous les bonnes pratiques à adopter pour protéger nos oiseaux d'eau. Mais avant toute chose, en fait, est-ce qu'on peut définir ce qu'est un oiseau d'eau, précisément? Alors, un oiseau d'eau, c'est un oiseau qui vit strictement sur des zones humides, sur la bande littorale, en mer, sur des plans d'eau. Voilà, il est lié à l'eau. D'accord. Donc il y a tout plein d'espèces, on ne va pas toutes les citer autrement, mais c'est les canards, les oies, les bernaches et les limicoles surtout, c'est ces petits oiseaux avec des longues pattes, des longs becs qui cherchent à fouiller la vase ou le sable et qu'on voit souvent en hiver, notamment en ce moment, sur nos plages, en train de courir le long du flot. D'accord. La France occupe une place particulière justement concernant les oiseaux d'eau? Alors, la France, elle a une position stratégique. Mmh. En fait, on est le carrefour des voies de migration est-atlantique. C'est-à-dire que tous ces oiseaux qu'on va rencontrer sur nos plages, en fait, nichent dans un premier temps du cercle polaire jusqu'au nord de l'Europe, voire chez nous, mais c'est un peu plus rare. Et en fait, après la reproduction, vont partir en migration, ce qu'on appelle post-nuptiale, fin de l'été à l'automne, vont passer par la France pour aller soit plus au sud, péninsule ibérique, soit sur les côtes de l'Afrique de l'Ouest. Et il y en a certains, ils savent qu'en France, il y a une bonne gastronomie, un bon patrimoine culturel, ils restent en France. Voilà. Bon, et du coup, on a plusieurs millions d'oiseaux qui passent par la France, et certains qui vont rester tout l'hiver.
Tout l'hiver. Alors justement, il y a un endroit qui pose un peu plus problème, qui cristallise les difficultés, ce sont nos plages, là où il y a des interactions forcément entre les hommes et les oiseaux. Est-ce qu'il y a des bons gestes à adopter, des bonnes pratiques qu'il faut absolument connaître pour ne pas les déranger pendant cette période où ils ont besoin de se reposer en fait ? Alors, déjà, je préciserais juste que le rôle des quartiers d'hivernage, donc comme la France, c'est pour l'oiseau de reconstituer ses réserves énergétiques, de passer un bon hiver, faire le moins d'efforts possible, manger le plus possible pour préparer la saison de reproduction. En fait, c'est un peu comme un arbre, pendant l'hiver, il prépare ses bourgeons et il se prépare au printemps. Mmh. L'oiseau, c'est pareil. Et donc, nous, hommes, on développe de plus en plus d'activités sur la bande littorale, qui, elle, va se réduire de plus en plus avec la problématique des réchauffements climatiques, avec l'érosion des côtes. Et nous, on va prendre de plus en plus de place et nos amis les oiseaux vont en avoir de moins en moins. Du coup, ce qu'on peut préconiser, parce qu'il n'est pas question d'interdire les choses, c'est juste avoir du bon sens et un peu de civilité avec nos amis les bêtes. se promener plutôt à marée basse. Privilégier la marée basse. Sur la plage, du coup, l'espace est beaucoup plus vaste. Mmh. Donc, on peut mieux partager l'espace. Mmh. Elle est plutôt en haut de la plage ? Elle est plutôt en haut de la place, de la plage quand on est à marée haute. Ouais. À marée basse, laisser le bas de l'estran aux oiseaux, c'est là où ils vont se nourrir. Mmh. Ils vont remonter avec le flot, donc s'adapter. D'accord. Tenir nos amis les bêtes, chiens, en laisse. En laisse, c'est mieux. Notamment au printemps, en hiver également. Parce que les chiens, en fait, ils courent partout, ils s'amusent avec les oiseaux, mais les oiseaux, eux, ils ne voient pas ça comme un jeu, quoi. C'est une question de survie. Et quand on va sur la plage, on arrive sur la plage, on ne fonce pas dans le tas d'oiseaux qui est face à nous. Ça fait de magnifiques photos, les oiseaux en vol. Mais eux, ça a des impacts très forts sur eux, juste pour avoir une idée de ce que ça peut représenter. Comme ils sont là pour garder l'énergie au maximum et faire le moins d'efforts, dans leur logiciel, ce n'est pas programmé de s'envoler brutalement parce que l'homme leur a fait peur. Du coup, on crée des dépenses énergétiques supplémentaires. Ça veut dire qu'on passe moins de temps à se reposer, à se nourrir, mais plus de temps à pallier la perte de cette énergie. Pour les plus faibles, je vais aller droit au but, ça peut être la mort assurée. Mmh. Pour les plus forts, ça peut les amoindrir et avoir une saison de reproduction moins bonne. Quoi. On ne se rend pas compte des impacts que ça peut avoir. C'est bien que vous puissiez préciser. Parce que... Si on a un groupe d'oiseaux devant soi, on fait un détour de 30, 50, 100 mètres. Nous, notre journée n'avait pas fichu. On est resté plus longtemps sur la plage. On a vu des belles choses. On n'a dérangé personne. Il y a tout plein de petits gestes comme ça, comme ramasser les déchets qu'il peut avoir sur la plage. Ça aide. Ne pas jeter de déchets sur la plage. Les mégots de cigarettes, les mettre dans sa petite boîte à mégots. Tout plein de petites préconisations qui vont dans ce sens-là. Et pour les communes aussi, on pourrait préconiser de laisser la laisse de mer en place. En tous les cas, de ne pas envoyer des engins mécaniques ramasser à tout bout de champ 2-3 algues. Après, il y a des contraintes à certaines périodes de l'année. Mais essayer d'avoir un peu de bon sens et de concilier nos activités avec la conservation des oiseaux. Des oiseaux. Il y a même des corridors qui ont été mis en place pour permettre de concilier les sports sur la plage et avec la vie des oiseaux. L'exemple type qui me vient, c'est la commune de Tréguin, qui, via son chargé de mission Natura 2000, a travaillé il y a quelques années sur la pratique du kitesurf sur ce territoire, où il y a une espèce emblématique, le gravelois coulé interrompu, qui niche chaque année. Ça se passe en été, mais il fait son nid, c'est une cuvette dans le sable, les œufs sont mimétiques, on ne voit pas. Et en fait, grâce au suivi qui est fait sur cette espèce, on a pu mettre des zones de plage très fréquentées par cette espèce, des zones moins fréquentées. Sur les zones moins fréquentées, c'est les corridors où les kitesurfers peuvent passer avec leurs voiles pour aller à la mer. Donc, il y a des actions comme ça localement qui sont mises en place et qui permettent de concilier les deux. Justement, on n'interdit pas, on cherche le compromis. Et pour le reste, c'est du bon sens, hein, on l'a compris. Et puis on rappelle peut-être, David, cette opération annuelle, comptage des oiseaux au jardin, elle aura lieu quand ? C'est ça, elle a lieu ce week-end, 25-26 janvier. Mmh. C'est prendre une heure dans son week-end, trouver un petit coin de nature, son jardin, le parc, la forêt, un bois, et regarder pendant une heure les oiseaux qu'il y a autour de nous, les compter. Il y a les règles du jeu sont sur le site de Bretagne Vivante, sur le site internet. Et c'est très simple, c'est très ludique. Avec les enfants, c'est génial, ça leur apprend plein de choses. Et à la maison, après, on peut voir plein de choses avec les enfants. Quoi. Merci beaucoup. Merci à vous. On n'ira plus sur la plage de la même façon grâce à vous. Merci infiniment. C'est bon pour la santé. Donc, C'est bon pour la santé comme ça. On se balade sur la plage et on n'embête pas les oiseaux. Parfait. On va maintenant retrouver Billy à la découverte d'une association bretonne. Elle s'appelle Y a de la vie.
Bonjour Karine. Bonjour. Alors on est venu te rencontrer aujourd'hui ici à l'EHPAD Gaëtan Hervé, c'est ça ? Tout à fait. Parce que toi tu fais partie d'une association qui s'appelle Il y a de la vie. Tout à fait. Alors cette association, raconte-nous un petit peu sa mission et puis ce que vous faites dans cet asso. Alors cet asso, on l'a créé en juin 2012. Ok. Moi, à l'origine j'étais photographe de mode enfantine, okay. Et puis j'en ai eu marre et j'ai décidé en fait de faire du bénévolat. Et il se trouve que j'habitais pas loin de cet EHPAD. Et okay. Donc, j'ai proposé de faire de la lecture. Donc, de l'enfant aux personnes un peu plus voilà. âgées. Quoi. J'avais envie de me rendre utile. Et okay. la directrice de l'EHPAD m'a dit, mais t'es photographe, pourquoi tu fais pas de photos ? Et bonne c'est comme idée. Ça qu'on a démarré l'association, puisqu'on a fait des photos des résidents. L'idée, c'était de les valoriser. D'accord. C'est pas parce qu'on est âgé qu'on n'est pas beau, qu'on n'a pas plein de choses à dire, qu'on n'est pas resplendissant. Ça me va très bien comme discours. Voilà. Et du coup, au bout d'un an, quand toutes les photos ont été faites, les résidents nous ont dit « Mais il faut absolument montrer ces photos, il faut montrer qu'il y a de la vie en maison de retraite. » Et on s'est dit « Ah ouais, il y a de la vie. » Donc ah, là, voilà. acheminer le voilà. nom de l'association, la création et tout ça. Tout à fait. Toujours autour de la photo et alors, toujours autour... photo, vidéo aussi. D'accord, on, ok. Voilà, on fait pas mal de plus en plus en fait de vidéos ou de okay. photos son. D'accord. Hein, puisque dans l'équipe, on est deux prestataires photographes hein, et bénévoles. Ok. Donc photographe et vidéaste. Et on a également quelqu'un qui fait du témoignage sonore. D'accord. Voilà, donc on a vraiment moyen d'amener toute la matière, mais on se sert vraiment de ces supports audiovisuels pour valoriser l'humain, parce que d'accord. c'est vraiment le but de l'association. Ce que j'allais dire, ça va servir ensuite à quoi, ce genre de document ? C'est en interne vraiment pour l'EHPAD, ou alors ah on non, veut non, diffuser non, ça peut être diffusé. On a même une expo qui était passée à l'Élysée. Enfin, voilà, l'idée, c'est de valoriser ah oui, les d'accord. publics dits, on va dire, fragilisés, ou en tout cas invisibles. Ceux qu'on n'a pas spécialement envie de mettre en avant. Alors pour le coup, Karine, donc on a bien compris que vous avez comme ça à chaque fois une animation particulière. Aujourd'hui, ici, là, c'était quoi l'animation ? Alors aujourd'hui, on prépare la carte de vœux de Gaëtan Hervé pour l'année 2020. Bon. Et donc l'idée, c'est rechercher l'année 2020. Rechercher l'année 2020. Et là, je vais donc interviewer la médecin légiste, c'est ça ? Oui, tout à fait. Bonjour, vous êtes madame Lebrette, c'est ça ? Oui, voilà. Alors, vous êtes là aujourd'hui, cet après-midi, oui. pour faire donc la carte de vœux, c'est bien ça ? Voilà. Alors, oui. qu'est-ce que ça vous apporte à vous ? Racontez-nous un petit peu. Qu'est-ce qui me rapporte quoi ? Bah, de faire cette activité. Ah ben, c'est très bien, parce que... On essaye de soulager les gens ouais. de leurs douleurs, voilà. Vous les faites rire un petit peu, j'ai l'impression oui. que vous êtes la rigolote de la bande, vous. Là, j'aime bien rire et raconter des blagues. Surtout, j'en ai tellement fait dans mon enfance. C'est vrai, vous faisiez des bêtises ? J'embêtais les garçons. Ah bon ? Eh ben, bravo ! Il y avait des ruisseaux comme ça dans... Parce que c'était pas goudronné ni rien, c'était la campagne. Je laissais le ruisseau se remplir d'eau et puis quand il y avait un bon courant, j'obligeais un garçon à mettre ses sabots dans l'eau pour qu'il parte. Contre quel échange ? Ah, ça, je ne vous dirai pas. Là ! Secret, secret. Alors du voilà. coup, cet après-midi ici, oui. avec Karine, oui. vous avez fait donc médecin légiste oui. et vous avez passé un moment à rigoler, alors c'est ça ? Oui, voilà. Bon. Voilà. Eh bien écoutez Karine, merci beaucoup pour tout ce que vous faites pour les gens dans les EHPAD. Et puis ben, on vous dit à bientôt. Vous dites au revoir à tout le monde, à tous vos fans à la télévision ? Vous leur dites au revoir ? Oui. Alors oui. on dit au revoir à tout le monde, c'est ça ? Oui. Bon, Madame Lebrette, on dit au revoir, vous m'aidez ? Au revoir tout le monde. Au revoir, messieurs, dames. Allez, au revoir. Merci, et Karine. Bonne continuation. Merci. Voilà. Eh bien, nous, Odette, on vous embrasse et on embrasse toute la résidence qui nous regarde très certainement. Agathe, oui. on approche du déjeuner. Vous allez nous mettre l'eau à la bouche, évidemment, avec des idées pour la semaine prochaine. Voilà. Donc, pour le lundi, c'est pas parce que c'est lundi qu'on se laisse abattre. On va commencer la semaine avec une pizza, plutôt sans viande, avec tous les légumes qu'on peut trouver en ce moment. Donc, par exemple, une pizza champignons, oignons. Vous pouvez mettre du fromage râpé, quelques pommes de terre. C'est voilà. toujours bon. L'inspiration italienne. En dessert. Pour le dessert, du fromage blanc avec une compotée d'agrumes. Donc la compotée d'agrumes, vous pouvez mettre du pamplemousse, de l'orange et du citron. Et donc pour faire ça, il va falloir peler à vif ces agrumes et prélever les suprêmes. Alors comment donc, si je viens de parler chinois, en fait la première étape, ça va être d'enlever le bout de chaque orange oui. pour bien être stable. Ensuite, on va venir couper la peau blanche qui va ramener en fait trop d'amertume.
Il faut suivre comme ça. Et une fois qu'on a fait toute notre range, on prélève le suprême, c'est-à-dire qu'on prélève le quartier en fait sans prendre la petite peau blanche. Sans la peau. Et il nous reste plus que le suprême. Parfait. Et on met ça dans notre compoté d'agrumes. Mmh, ça va être un délice. Merci pour la démonstration. On passe au mardi, Agathe. Pour le mardi, un risotto butternut, cèpe et oignon. Donc là, on va mettre tous nos oignons et butternut en cubes dans la poêle. On va rajouter les cèpes et le riz. Et la petite astuce, c'est si vous n'avez pas de champignons frais, je vous conseille plutôt que de les acheter surgelés ou en boîte de conserve, de plutôt les prendre déshydratés, puisque en fait, ils vont vraiment garder leur valeur nutritionnelle, leur goût, et on peut les garder très longtemps. Donc, vous pouvez même les faire sécher vous-même. C'est une chouette idée, ça. Ouais. Excellente idée. D'accord, okay. En dessert. En dessert, un moelleux pomme poire amande. Donc voilà, c'est vraiment un gâteau de saison. De saison. Qui sera forcément délicieux d'ailleurs. Allez, on passe au mercredi. Pour le mercredi, du saumon mariné aux épices tandoori avec une purée carotte et lentilles corail. Donc là, c'est une marinade très simple. On mélange le yaourt avec les épices tandoori et on va venir enrober notre pavé de saumon avec cette marinade. Et pour la purée, on va tout simplement faire cuire les carottes et les lentilles corail ensemble. Et une fois que c'est cuit, on mixe avec du beurre. Mmh, ça a l'air bon. On laisse mariner longtemps ? Non, moins d'une heure. Moins d'une heure, c'est ça. Et on fait cuire au four. Il y a Fabrice qui s'amuse. Ça y est, c'est parti. Il faut arrêter. On arrête la chronique. Non, pas encore. Ah non, il y en reste. En dessert. En dessert, une salade de fruits, litchi et grenade avec quelques feuilles de menthe. Ça sera vraiment très rafraîchissant et de saison. Passons au jeudi, toujours avec des menus de saison. Mmh. Pour le jeudi, une salade pomme, roquefort et noix. Donc ça, c'est vraiment une salade que je fais très souvent en hiver avec une petite tranche de pain de campagne. C'est excellent. Et pour le dessert ? Et pour le dessert, des muffins au granola. Donc là, on change un petit peu. Au lieu de mettre des pépites de chocolat, on va mettre du granola. Donc vous savez, c'est ce mélange de céréales croustillant. Ça va justement apporter du croustillant, même une fois cuit. Donc voilà, je vous conseille de tester. Mais c'est ce qu'on va faire d'ailleurs, avec ça c'est sûr. Allez, on termine la semaine avec le vendredi. Et vendredi, donc je ne sais pas si vous savez, mais ce week-end c'est le nouvel an chinois. Donc j'ai préparé une petite recette de boboon avec des nouilles de riz. Vous pouvez mettre de la salade, des tagliatelles de carottes, du bœuf mariné à la sauce soja et quelques cacahuètes pour finir sur le dessus. C'est toujours délicieux, un bon boboon. Et puis en dessert. Et en dessert, tout simplement des bananes caramélisées qu'on va faire revenir dans le beurre avec un petit peu de sucre. Et là, c'est excellent aussi. Eh bien, écoutez, on n'a que l'embarras du choix. Hein, j'arrive jamais, je vois les photos qui sont sublimes, mais j'arrive jamais à faire la même chose. Ça, c'est tout si le talent d'Agathe. Si vous avez besoin d'un photographe culinaire. Allez, on retrouvera les recettes sur notre page Facebook Ensemble C'est Mieux France 3 Bretagne. Merci beaucoup à tous. C'est déjà la fin de cette émission. On se retrouve demain à 10h45. On s'intéressera à l'orientation des lycéens et bien entendu à l'incontournable plateforme Parcoursup qui ouvre ce midi et qui pose beaucoup de questions aux lycéens et à leurs familles, bien entendu. On vous souhaite une excellente journée sur France 3 Bretagne. On vous dit à demain. Kenavo.